Hello, hello, j'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez entamé l'année avec beaucoup de positivité, beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo que j'avais pas prévu de faire, mais suite à une découverte vraiment qui m'a changé la vie, je me suis dit que je vais vous en parler. Il faut vraiment que je vous en parle parce que moi, la première, j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de vidéo là quand je cherchais. Pour ce problème là, depuis que j'ai accouché il y a 3 ans et demi, j'ai pas arrêté de perdre mes cheveux pour des raisons inconnues. Ça n'a rien à voir avec mon rééquilibrage alimentaire que j'ai fait ou le changement d'alimentation que j'ai fait tout au long de ces 3 ans et demi. J'ai fait toutes les analyses, j'ai vu tous les médecins possibles et imaginables. Il n'y a pas de problème niveau cuir chevelu, il n'y a pas de problème dans mes analyses, tout était ok, sauf que aucun médecin n'a été capable de me dire pourquoi je perdais mes cheveux. J'ai testé absolument tous les médicaments disponibles, j'ai testé des traitements, même on m'a dit que ça se prescrit pour les personnes chauves où il y a les cheveux qui repoussent. Ça marche une semaine, deux semaines et après ça marche plus et ça rechute pareil. J'ai perdu énormément de cheveux, j'ai perdu à peu près 3/4 de mes cheveux et j'y abuse vraiment pas quand je dis autant de cheveux. D'ailleurs, moi je le remarque quand je l'avais remarqué quand j'ai édité mes vidéos qu'il y avait des petits espaces, des petits vides dans mes cheveux et j'angoissais vraiment au fait de plus avoir de cheveux. Je disais à mon mari, je vais finir par être chauve. J'ai même commencé à garder les perruques pour que vous saviez de quoi je parle, à quel point c'était angoissant pour moi. Et je recevais tout le temps des messages de gens qui me disaient « Est-ce que tu peux faire une vidéo sur la perte de cheveux et tout, tes astuces et tout ?» Et moi je dis « Oui, mais en fait, au fond de moi, je disais « Mais moi j'en ai pas. Si j'avais vraiment une astuce pour arrêter de perdre mes cheveux, je l'aurais utilisée sur moi. » Et ça avançait petit à petit, tout le monde a commencé à sentir que je perdais mes cheveux, mes parents, mes beaux-parents, mon mari. On passait le balai 2-3 fois par jour à la maison et on ramassait vraiment des quantités énormes. J'ai même plus envie de penser à cette période-là tellement j'en perdais. Et comme je vous disais, mes analyses étaient ok, j'avais zéro problème médical. C'est pour ça que les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Bref, un jour en regardant en ligne un petit peu sur les forums, je fais un peu comme tout le monde, je suis tombée sur un forum où on parlait du produit dont je vais vous parler là. Et c'est un produit qui à la base n'est pas utilisé pour les cheveux. Il est utilisé pour des choses un peu plus spéciales. Il est utilisé plus pour des problèmes sexuels, des problèmes d'infertilité, des problèmes comme ça. Mais j'ai trouvé quelques personnes qui ont dit que ça les a aidés aussi à arrêter la perte de cheveux. Et je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais tester. Ce produit, c'est la maca. Donc la maca, c'est une racine. Je connais pas très bien, mais celle-là, elle vient du Pérou. C'est une racine donc, qui est faite, on dit que ça remplace un peu le Viagra. Je sais pas. Mais bref, vous allez retrouver, vous tapez maca sur Google et vous trouvez à quoi ça sert à la base. Donc moi, je l'ai pris pour les cheveux. Ils disent 1 à 3 comprimés par jour et comme j'en avais marre, j'ai utilisé 3 comprimés. Ça fait un mois et demi que je l'utilise et au bout de 2 semaines, j'ai commencé à voir mes cheveux, vraiment la chute ralentir. Je disais à mon mari, ah oui mais je perds plus mes cheveux et tout. Il me dit, à chaque fois que tu as commencé à tester un truc comme ça, au bout d'une semaine, deux, tu me disais ça. Mais au final, non, c'était juste une impression, c'était juste moi qui avais envie de me rassurer. Et vous savez à quel point je tiens à mes cheveux et vous savez de toute façon que les femmes à quel point elles tiennent à leurs cheveux, c'est la féminité, c'est la femme, c'est ça. Et moi ça fait des années que j'essaye de faire pousser mes cheveux, mais le problème c'est qu'on perd des cheveux, on perd de la masse donc on a envie de les couper. Bref, du coup la troisième semaine, la quatrième semaine, là ils commencent à me dire mais c'est vrai que j'en vois de moins en moins, tu passes vraiment beaucoup de fois l'aspirateur par jour à la maison. Je lui dis non, une fois, normal. Et là, franchement, on s'est rendu compte que j'avais énormément de cheveux. D'ailleurs, vous les voyez de plus en plus, des cheveux qui poussent.
de plus en plus de moins en moins de pertes de cheveux et surtout une longueur qui a changé. Alors, bien sûr que les pointes sont vraiment moins épaisses parce que j'en ai perdu énormément, mais j'attends de récupérer un petit peu plus de longueur pour couper parce que je tiens aussi à la longueur de mes cheveux. Il y a aussi le côté vitalité, donc j'ai senti vraiment énormément de énormément d'énergie supplémentaire en moi. J'ai fait plein de choses que je pense que j'aurais été incapable de faire. Je sais pas, je m'avance peut-être un peu trop, mais en tout cas moi j'ai senti un petit peu plus d'énergie. J'ai arrêté le café pendant une semaine et je n'ai pas eu besoin de café. Je sens que ça m'a bien boosté, je pense. Et au niveau des cheveux, pour moi c'est un produit vraiment vraiment miracle. Après je pense que si vous avez des maladies thyroïdes, tout ça, demandez quand même à votre médecin ou un herboriste. Je sais pas si les médecins, souvent ils sont contre tout ce qui est naturel, mais en tout cas c'est naturel. Moi celle-là je l'ai achetée sur Amazon, elle est végé, elle est bio. Vous pouvez en retrouver un petit peu partout. Si vous habitez ici au Canada, vous pouvez en retrouver chez Avril, Atto, tous les magasins un peu bio, on part à pharmacie, je pense à Costco aussi, mais j'en ai pas vu, mais sur leur site si. Et voilà, si vous habitez en France, pareil aussi, on part à pharmacie, au magasin, bio, vous pouvez en retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. S'il y en a qui ont déjà testé, dites-moi en commentaire ce que ça vous a donné comme résultat. S'il y en a qui perdent leurs cheveux, qui ont testé autre chose, dites-nous tout ça en commentaire, même si moi j'ai quasiment tout testé. Ça peut aider d'autres. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une astuce que je tenais absolument à partager avec vous. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment, vraiment sauvé la vie. Sauvé mes cheveux, c'est sérieux, c'est... ça m'a changé la vie. Et comme je vous disais, je l'ai acheté chez Amazon et j'ai pas donné le prix. Je crois que j'ai dû payer 30$ pour, ça, alors, pour 250 capsules. Donc ça tient longtemps et là je suis peut-être un tiers du paquet. Je vois déjà le résultat. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un max de pouces vers le haut. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Facebook. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne année. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très très bientôt. Et en attendant, je vous fais de gros bisous.